Un nouvel enregistrement révèle, avec des preuves et les noms des victimes, l'étendue des atrocités du Polisario contre les Mauritaniens. Un nouvel enregistrement sur YouTube a révélé les preuves et les noms des victimes mauritaniennes tuées par le Front Polisario. Les atrocités n'ont pas été commises par le Polisario contre les Mauritaniens pendant les années de guerre des années 70 du siècle dernier, mais ont été commises de sang-froid contre des Mauritaniens sans défense venus aider le front, selon l'enregistrement. L'enregistrement réfute l'adage selon lequel le Polisario veut du bien pour les Mauritaniens et que les Marocains veulent du mal en eux. Le propriétaire du dossier, qui s'est identifié comme Mauritanien, a été arrêté à Tindouf en 1981 et soumis, avec des dizaines d'autres de sa nationalité, aux pires formes de torture par le Polisario. Le détenteur du record s'est demandé, qui a tué les Mauritaniens, le Polisario ou le Maroc? Qui les a emprisonnés et torturés, les Boliaros ou le Maroc? Il a dit, Dieu sait que des milliers de Mauritaniens qui visitent le Maroc chaque année, aiment le Maroc et les Marocains. Et il ajoute, Dieu sait que le peuple marocain aime le peuple mauritanien, plus que tous les autres peuples. Quant aux Mauritaniens qui sont allés au Polisario, dit-il, soit l'emprisonnement et la torture, soit la mort et la disparition des traces. Le détenteur du record a exigé l'ouverture d'une enquête sur la disparition et la mort de dizaines de Mauritaniens qui se sont rendus au Polisario.